lieber Vater im Himmel, danke, dass wir zusammenkommen können und dein Wort studieren können. Wir möchten dich bitten, dass du unter uns bist und dass wir den Spätring empfangen können und dass wir die Dinge verstehen und in uns aufnehmen können. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. Nous avons passé la majorité de ces deux semaines à discuter de l'histoire dans laquelle nous évoluons, en la superposant avec diverses histoires. Nous avons parlé de Pyrrhus et de la Seconde Guerre mondiale, acte 27. Nous arrivons à un point où la question du temps doit être abordée. Pourquoi pouvons-nous fixer le temps? C'est une discussion qui a déjà été introduite dans le mouvement, particulièrement autour de juin de l'an dernier. Je ne souhaite pas aller dans les preuves montrant que nous pouvons le faire. Mais j'aimerais que nous voyions de quelle façon la notion de la fixation du temps a commencé en 2012. Sur quoi cela était basé? C'était basé sur une augmentation de la connaissance au sujet des 2520. À partir du 11 septembre 2001, il y a un accroissement de la connaissance que nous pouvons indiquer en 2009. Les 2520 révélés. Il continue d'enfler jusqu'à la formalisation du message. Nous pouvons dire Boston, Concorde, Exeter. Et en 2012, il a été reconnu que les 2520 pouvaient être vus dans d'autres nombres. Et particulièrement lorsque nous sommes allés dans le livre de Daniel, l'écriture sur le mur dans l'histoire de Belshazzar. Les 126, les 151, et j'aimerais suggérer un autre nombre, le 63, la moitié des 126. Nous avons vu cela même dans la ligne de la contrefaçon. Nous l'avons étudié. Nous avons 538, les 1260 années de la persécution papale, qui mène à 1798, puis 1844, ensuite nous sommes dispersés de nouveau, 1863, il ne s'agit plus là d'un 1260, mais d'un 126. Mais ça représente exactement la même chose. Les 126 est un dixième des 1260. Mais c'est le même symbole. Les 126, si nous prenons une monnaie différente, dans l'histoire de Daniel, devient les 151. Les 1260 sont la moitié des 2520. Mais cela représente une période de dispersion, c'est la même chose. 63, c'est la moitié des 126. Donc de nos jours, ce sont des symboles prophétiques importants. Nous avons également d'autres symboles. Nous parlons des 220, qui représentent la restauration. Mais nous en avons d'autres. 490. En 2012, ces nombres ont été reconnus, mais particulièrement les 126.
Et la prédiction, basée sur ce nombre, que 2014 sera la loi du dimanche. Nous discuterons ultérieurement de ce que la loi du dimanche, à quoi elle ressemblera. Voilà la structure principale que j'aimerais que nous voyions. En 2012, une étude se développe où nous reconnaissons que les 2520 peuvent créer ces nombres. Et nous reconnaissons que nous avons 1260 années de dispersion, puis 126 années de dispersion. Lorsque nous les prenons et les plaçons dans une balise telle que 2014, nous avons correctement prédit qu'il s'agissait d'une loi du dimanche. Donc 2012 a prédit cette loi du dimanche. Nous avons eu un accroissement de la connaissance, Ezra 7-9, les fractales, qui nous amène à notre fin du temps de grâce. Ce que nous savons au sujet de notre fin de temps de grâce a été découvert dans cette dispensation. Donc pour les prêtres, 2014, c'est la loi du dimanche. De 1989. Pour un lévite, 2014 n'est pas la loi du dimanche, mais 2014, c'est leur 11 septembre. Pour un éthinien, 2014 n'est pas le 11 septembre, mais c'est leur 1989. Quand on va en 1989, beaucoup de choses se sont passées dans cette histoire. De nombreux fils différents que nous pouvons commencer à retracer dans les balises. On peut prendre un fil pour la montée des États-Unis en tant que superpuissance. Nous pouvons tirer le fil de l'État islamique, le fil du Moyen-Orient, ou du web mondial et de l'ère de l'information. De la même manière, 2014 est l'une des années les plus significatives dans l'histoire récente. L'Ukraine, le califat de l'État islamique. Tant de choses se sont passées dans cette année. Et si ce n'était que pas pour nous, il se trouve plusieurs fils pour les trois groupes de personnes. C'est notre loi du dimanche, mais c'est aussi leur temps de la fin. Quand nous arrivons à ce que nous voulons faire maintenant, mais plus dans notre prochaine présentation, il s'agit d'étudier 2019. Et nous focaliserons sur cette date en tant que fin de temps de grâce. Il ne s'agit que d'une partie de notre histoire. Pour les Lévites, 2019 n'est pas leur fin de temps de grâce, mais leur loi du dimanche. Donc lorsque nous parlons de loi du dimanche, nous pouvons parler de 2014, mais également cette année. À la fin de l'année 2019, nous avons plus d'un témoin sur à savoir à quoi ressemble la loi du dimanche. Pour les Néthiniens, c'est leur 11 septembre.
c'est le test de l'histoire de 2014. Les événements externes qui ont divisé deux groupes de personnes. Donc 2019 est une année de test. Mais tout dépend de qui nous sommes, le test est différent. Pour chacun d'entre eux, c'est un test. Mais j'aimerais vous rappeler que c'est un test pour les Nétiniens. Ils n'ont aucune idée du 9 novembre 2019. Ils n'ont pas besoin de le savoir, car le test n'est pas le jour. Ils n'ont pas besoin de savoir le jour où ils passent l'examen. Cette information nous a été donnée. Mais deux de ces trois groupes ne savent pas la date. Cela devrait nous faire considérer ce qu'est notre test. 1989 commence avec un accroissement de la connaissance. Le 11 septembre, c'est un test sur la façon dont nous avons agi durant cette histoire. 2014 est un test au sujet des 2520. Si nous pensions que la fixation du temps était un test pour cette année ou pour cette dispensation, nous sommes en retard. Ce test est déjà passé. Le problème est que dans cette dispensation, nous avons ce test et nous semblons être assis sur celui de la dispensation précédente. J'aimerais que nous considérions 2014. Et nous la superposerons avec l'histoire des Millérites. Et nous parlerons de deux autres dates que je remplis avec leur histoire. Le 19 avril. L'époux tarde. On indique un temps d'attente. Et le temps d'attente, il tarde jusqu'au 22 octobre 1844. À minuit, de ce temps sombre, un cri retentit. Voici l'époux vient. C'était le 21 juillet. Le 21 juillet, c'est minuit ou mi-chemin entre le 19 avril et le 22 octobre 1844. Cela devient un symbole. Nous pourrions le dessiner de différentes manières. Le 19 avril 1844 devient le 11 septembre. Le 21 juillet commence le cri de minuit qui enfle jusqu'à Exeter. Le cri de minuit ou le grand cri qui amène à la fin de temps de grâce de Daniel 12.1. Superposer l'histoire des Millérites à celle des 144 000. Le camp meeting de Boston, qui s'est tenu en juillet, devient la loi du dimanche. Elle devient la balise où le cri retentit « Voici l'époux vient ». Ce temps d'attente en avril 1844 a créé un autre problème.
Le fanatisme est entré dans le mouvement. Pour citer la grande controverse, 398.2, donc tragédie des siècles, 430.2. Elle dit que ce n'est pas la proclamation de la seconde venue du Christ qui provoqua le fanatisme et la division. Cela s'est passé à l'été 1844. C'était en avril. C'était la prédication du message du premier ange et le cri de minuit qui ont retenu le fanatisme et la division. Nous pouvons amener cela en tant que symbole au 19 avril 1844. Quand nous amenons cela dans notre histoire, 2014 est la loi du dimanche. Pour nous, le 19 avril est le 11 septembre 2001. Le 22 octobre 1844 devient le 9 novembre 2019. Ce que j'aimerais que nous voyons, en utilisant les symbolismes de l'histoire des Millérites, 2014 est minuit, au moment où le cri retentit. Voici l'époux vient. Par conséquent, c'est mi-chemin. En utilisant symboliquement l'histoire des Millérites, de manière symbolique, en tant que parabole, 2014 devient le milieu ou mi-chemin entre 2001 et 2019. Cela nous permet d'ajouter des informations complémentaires dans cette histoire de 2014. Certains des nombres qui nous ont amenés en 2014, l'un d'entre eux est 1888 et les 126. Je vais laisser de côté cet exemple pour le moment, car j'aimerais me focaliser sur un fil particulier. Par conséquent, on va en prendre les 151. Et cela nous conduit à 1863. 151 années qui nous amènent en 2014. En 1863, nous amènent aussi en 1989. J'aimerais vous rappeler un principe. 1989 nous relate une histoire de quelle année ? On va dire 2019, car c'est l'histoire de 30 ans des prêtres, de la naissance au baptême. On peut créer une seule parabole. Mais en 1989, c'est aussi la blessure mortelle du roi du Sud. Nous ne pouvons pas commencer et terminer cette parabole avec une histoire cohérente avec le roi du Sud. Il faut prendre 1989 et à l'amener à Panium. Il nous faut voir une blessure mortelle et une blessure mortelle. Une chute et une chute. Donc, 1989 peut nous relater plusieurs histoires. Cela dépend du fil.
Est-ce le fil des prêtres? Ou est-ce que c'est le fil de la montée de la septième tête? Le nouvel ordre mondial. S'il s'agit de l'histoire du nouvel ordre mondial, celle-ci nous conduira jusqu'à Panium. Donc lorsque nous pensons à la date de 1863, cela peut nous conduire dans deux années différentes. Les 126 nous amènent en 1989. Voici un fil cohérent de la dispersion qui va introduire un rassemblement. C'est l'histoire de la captivité des quatre générations. Mais il existe un autre fil sur les 126. Le précédent est basé sur les 126 ans. L'autre est basé sur les 151 et nous amène en 2014. Il ne s'agit pas d'une histoire ou d'un fil parlant de la dispersion. C'est une parabole différente qui parle du mouvement de réforme nationale. Il s'agit de la loi du dimanche, un fil différent. Lorsque nous prenons le fil de la loi du dimanche, alors pourquoi le mouvement de réforme nationale a-t-il été fondé? Ce n'est pas quelque chose que nous couvrirons dans cette présentation. Nous en parlerons dans plus de détails. Mais c'est en raison d'une histoire qui... entoure de la guerre civile. 1863 est le point du milieu dans la guerre civile. Est aussi un point de milieu dans une histoire particulière. Donc si cela nous amène à un point du milieu, cela nous permet non seulement de prendre la date, mais nous prenons toute l'histoire et nous la plaçons dans l'histoire de 2001 à 2019. On discutera plus en détail de 1863. Nous pouvons prendre une autre histoire. Si nous prenons les 220, il nous ramènerait dans l'histoire de la Révolution française. Nous conduirait en 1794. 1794, en ajoutant les 220, nous emmène en 2014. C'est un point du milieu, dans une autre crise, connue par la Révolution française. 1789 à 1799. C'est le point du milieu dans la Révolution. Ce qui nous permet de prendre l'histoire de la Révolution française et de voir l'histoire de la Révolution américaine de 2001 à 2019. Le renversement d'un gouvernement.
2001, vous avez un président, George Bush. En prophétie, il est indiqué comme étant le faux merdis. Pourquoi est-il faux? Parce qu'il a triché. Il n'aurait jamais dû être un roi. George Bush n'aurait jamais dû être président. Il a triché en Floride. Tu as mentionné Tibère. Qu'en est-il à son sujet? Il a obtenu le royaume grâce aux flatteries. Aucun des deux aurait dû être un président. C'est illégal d'accepter de l'aide d'un gouvernement étranger. L'œuvre de Cambridge Analytica était illégale. Sans l'aide de ces deux entités, il n'aurait jamais dû être président. De 2001 à 2019, vous pouvez voir soit des révolutions ou des guerres civiles à l'intérieur des États-Unis. Nous avons déjà pris ces histoires de la Deuxième Guerre mondiale et nous avons dit qu'elle commence en 2016. Mais c'est différent d'une guerre de tranchées ou de tanks ou d'armes à feu. Car nous prenons cette histoire, nous la prenons comme une parabole et nous voyons un nouveau mode de guerre. Donc quand nous prenons la Révolution française et que nous la ramenons dans notre histoire, le fait qu'il n'y ait pas de sang dans les rues ne devrait pas nous surprendre, car il s'agit d'un type de révolution différent. Mais j'aimerais vous rappeler qu'il y a du sang dans les rues parce que nous avons le nationalisme, les groupes de l'extrême droite. Nous avons encore les vestiges du Ku Klux Klan. Dans la dangerosité, déjà augmente de plus en plus. Si nous sommes un immigrant, un journaliste ou un noir, il y a du sang dans les rues. Mais cette révolution française est différente de ce qu'elle a été. De même, à la fin de cette révolution, nous avons une dictature, Napoléon. Donc en 2019, à Rafia, nous nous attendons à Napoléon ou à une dictature. Donc nous savons par conséquent que le gouvernement doit être renversé d'ici là. Nous pouvons faire d'autres points de mi-chemin. Nous pouvons aller à 1951 et placer 1948 et 1954 et construire une histoire sur l'Église et l'État en guise de réponse à la guerre froide. Nous pouvons commencer et terminer cette période avec l'expression « sous Dieu ». Le commencement et la fin. C'est comme la structure d'un paragraphe. La première et la dernière phrase. C'est la même histoire. Nous pourrions aller dans une autre histoire
et dire que 1524, cela est basé sur les 490. Nous pouvons commencer et terminer cette période avec 1521 et 1527. 1524 est le point du milieu. Au commencement même, nous avons l'Empire ottoman qui attaque Belgrade. Cela commence par une attaque islamique. Sa première attaque de l'Ouest. Qui s'aligne avec le 11 septembre. 1521. Luther va se cacher près de la diète de Worms. Donc après la diète de Worms. Si nous fallait prendre le livre de la tragédie des siècles, particulièrement les chapitres 8 et 10, elle parle de cette histoire. Lorsque Luther est allé se cacher, elle dit Wittenberg, le centre de la réforme, commença à tomber dans le fanatisme en raison de l'absence de Luther. Nous pouvons indiquer que le fanatisme est entré dans le protestantisme, ce premier mouvement. De la même façon que le 19 avril 1844, le fanatisme a conduit Luther à sortir de sa cachette. En 1524, nous pouvons indiquer la guerre des paysans allemands. C'est la plus grande? C'est la plus grande révolution jusqu'à celle de la Révolution française. Nous pouvons voir de façon spécifique la révolution en 2014, avec la tentative de renverser Obama. Dans le premier mouvement, la réforme, nous pouvons aussi voir une séparation. Les responsables commencent à se quereller. C'est une autre chose que nous prenons de 2014 dans ce criblage. En 1527, c'est la fin de la Renaissance en Italie. Ils se sont bien débrouillés. Rome. Mais en 1527, elle est pillée. Totalement détruite. La population a chuté de 54 000 avant l'attaque à 10 000. Ils sont passés de 10 000 à 54 000. Moins d'un cinquième. Donc on indique le pillage de Rome et la persécution des anabaptistes. Nous pouvons regarder à cette histoire par rapport au 490 et introduire cette histoire dans celle de 2001 à 2019. Yeah, mais les deux histoires que j'aimerais souligner sont celles de la Révolution française et de la guerre civile, car cela devient important dans notre prochaine étude. Afin de comprendre que nous pouvons voir ce que nous pouvons voir en 2019 et 2001, comme le commencement et la fin d'une révolution. La guerre civile n'est autre qu'un autre terme pour dire révolution. Et nous pouvons voir le commencement et la fin d'une guerre civile. Nous parlerons de cela dans plus de détails
lorsque nous prendrons quelques modèles de révolution pour les mettre dans cette histoire, afin de comprendre à quoi cela va ressembler. Pouvez-vous vous agenouiller avec moi? Nous clôturons par une prière. Cher Père Céleste, merci pour tes bénédictions. Merci car tu nous as donné la paix, que nous ayons la liberté du mouvement, non pas la limitation de la guerre mondiale, comme ce fut le cas il y a longtemps, ou la révolution d'antan. Mais tu nous as donné la paix pour travailler et se préparer. Je prie que nous ne prenions pas cela pour acquis, mais que nous nous préparerons à la fois de cœur et d'esprit, comme si ces guerres étaient identiques dans ces temps graves dans lesquels nous vivons. Merci pour tes paraboles. Je te prie pour que tu puisses nous enseigner plus sur les paraboles. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.